Vous souhaitez consommer moins d'essence en voiture avec l'augmentation du prix du litre tout le monde cherche à réduire sa consommation d'essence oui mais comment voici 17 astuces pour économiser tout de suite 20% d'essence 1 éviter les coups d'accélérateur l'astuce consiste à rouler sans à coup calmement c'est à dire en évitant de donner des coups d'accélérateur ou des coups de frein accélérer doucement quand le feu passe au vert et freiner graduellement quand il passe au rouge. Ce comportement peut vous faire économiser jusqu'à 20% de carburant selon le modèle de votre voiture. Évitez aussi de toujours vouloir doubler d'autres voitures. L'objectif est de maintenir une vitesse constante pour consommer moins d'essence. Cliquez ici pour voir l'astuce 2. Évitez de monter trop haut dans les tours. Passez la vitesse supérieure dès 2000 tours, minute, moteur diesel, ou dès 2500 tours, mine, moteur essence. L'objectif est d'éviter de rester entre 3000 et 3500 tours car le moteur consomme beaucoup plus. Pour connaître le nombre de tours, minute, jetez un œil sur le compte tour de votre tableau de bord. Il affiche le régime du moteur. Moins vous montez dans les tours, moins vous consommez d'essence. Cliquez ici pour voir l'astuce 3. Anticiper la circulation. Regardez loin devant vous pour anticiper la circulation. Surtout en ville. Pourquoi? Car c'est le meilleur moyen d'anticiper un feu qui passe rouge ou un piéton qui traverse. Vous évitez ainsi les coups d'accélération et les coups de frein inutiles. Résultat, vous consommez moins d'essence car votre vitesse est plus stable. Cliquez ici pour voir l'astuce 4. Coupez le moteur à l'arrêt, la règle est simple, si vous faites un arrêt supérieur à une minute, coupez le contact. Ne laissez pas tourner le moteur inutilement. Pour téléphoner, consultez une carte, changez de passager ou si vous êtes coincé dans un embouteillage, coupez le moteur. Contrairement aux anciennes voitures, les nouveaux moteurs sont bien plus performants et supportent très bien les arrêts intempestifs. Et si vous avez un dispositif Start and Go qui coupe le moteur à l'arrêt, c'est encore mieux. La voiture le fait toute seule. Cliquez ici pour voir l'astuce. 5. Passez les rapports de vitesse rapidement dès que vous accélérez, doucement, passez les vitesses le plus vite possible. L'objectif est de rouler au maximum à bas régime. Pourquoi Car en quatrième ou en cinquième, vous consommez moins de carburant. Même en ville à 50 km/h, essayez de rouler en quatrième, voire cinquième, plutôt qu'en troisième. Surtout ne restez pas bloqué en première. Passez la deuxième le plus vite possible. Pareil pour les rapports suivants, passez rapidement la vitesse supérieure afin de rouler à bas régime. Cliquez ici pour voir l'astuce 6. Rétrograder plutôt que freiner, que ce soit en ville à l'approche d'un feu ou sur route, pensez à rétrograder plutôt que de freiner. L'utilisation du frein moteur permet de faire des économies d'essence. Là aussi, l'objectif est d'anticiper la circulation pour avoir le temps de réagir et freiner tranquillement en rétrogradant. Cliquez ici pour voir l'astuce 7. Évitez de laisser la clim toujours allumée en été, la climatisation c'est bien pratique. L'inconvénient, c'est que l'on s'habitue facilement à la laisser allumée. Résultat, on oublie de l'éteindre même quand il ne fait pas chaud. On monte dans la voiture et la clim est déjà allumée. Pensez à la couper dès que possible et l'éteindre en sortant de la voiture. En ville, c'est 30 d'économie instantanément. Sur route, c'est plus de 15 Et s'il fait vraiment chaud, ne la mettez pas trop basse. Sinon, vous tirez encore plus sur le moteur. 23 degrés Celsius c'est suffisant pour se sentir bien. Pour avoir un ordre d'idée, comptez 5 degrés Celsius en moins par rapport à la température extérieure. Dernier conseil, évitez de mettre la clim à fond au démarrage. Elle n'est efficace qu'après quelques minutes seulement. S'il fait très chaud, préférez d'abord bien aérer l'intérieur de la voiture en ouvrant toutes les portes, y compris le coffre. Cliquez ici pour voir l'astuce. 8. Utilisez le régulateur de vitesse. Vous avez une conduite sportive, alors le régulateur de vitesse peut vous faire économiser de l'essence. Notamment sur les voies rapides et les autoroutes. Mais une fois que vous aurez une conduite économe et souple, il sera préférable de le désactiver à certains moments. Notamment dans les montées et les descentes. En effet, dans les montées, il vaut mieux diminuer sa vitesse pour ne pas forcer sur le moteur. Et pour les descentes, il est préférable de lâcher l'accélérateur pour se laisser descendre. Le régulateur garde la même vitesse même en montée et en descente. Résultat, il accélère en montée pour garder la même vitesse. C'est le même souci pour les descentes. Cliquez ici pour voir l'astuce. 9. N'utilisez pas le point mort dans les descentes. Contrairement à l'idée reçue, l'utilisation du point mort en descente ne permet pas de consommer moins d'essence. Pourquoi Car techniquement le moteur continue à consommer du carburant pour maintenir son ralenti. Alors que si vous utilisez le frein moteur, le moteur ne consomme rien. C'est vrai pour les descentes mais aussi en cas de ralentissement de la circulation. Cliquez ici pour voir l'article 10. Fermez les fenêtres sur autoroute, ne laissez pas une ou plusieurs fenêtres ouvertes, pareil pour le toit ouvrant. Pourquoi Car votre voiture perd en aérodynamisme. Résultat, vous consommez 5% d'essence en plus. Si vous avez chaud, préférez utiliser la clim à une température raisonnable. Par contre, en ville à faible vitesse, vous pouvez laisser les fenêtres ouvertes car cela n'a pas d'impact sur la consommation. Cliquez ici pour voir l'astuce 11. Roulez à 120 km, HSUR autoroute, roulez à 120 km heure au lieu de 130. Pourquoi? Car vous économisez immédiatement un litre d'essence tous les 100 km. Pas mal, non, vous avez peur d'être en retard, pas de panique. Un trajet de 100 km ne dure que 4 minutes de plus. Autre exemple, un Paris-Lyon à 120 km heure ne dure que 18 minutes de plus. Convaincu Alors pensez à diminuer votre vitesse de 10 km heure aussi bien sur autoroute que sur route. Vous économisez 20% d'essence à chaque trajet. Cliquez ici pour voir l'astuce. 12. Roulez avec des pneus bien gonflés Saviez-vous que rouler avec des pneus sous-gonflés augmentait votre consommation de carburant de 4% Et ce n'est pas tout sous gonflé, les pneus s'usent plus vite. Résultat, vous devez en acheter plus souvent, donc, vérifiez la pression de vos pneus tous les mois ou tous les 500 km. Pensez aussi à ajouter entre 0,2 et 0,3 bar en plus sur la pression recommandée par le constructeur. Surtout si votre voiture est bien chargée et que vous avez prévu d'effectuer un long trajet. Des pneus bien gonflés permettent une meilleure tenue de route, ainsi qu'un freinage plus efficace. Cliquez ici pour voir l'astuce. 13. Videz votre coffre. Vous voulez économiser de l'essence facilement. Videz votre coffre de tous les objets inutiles. Pourquoi? Car plus votre voiture est lourde, plus vous consommez d'essence. Il y a sûrement des trucs que vous transportez partout mais qui ne servent à rien. En plus du coffre, jetez aussi un œil dans la boîte à gants, dans les rangements des portes, sur la banquette arrière et sur la plage arrière. C'est fait. Bravo. Vous venez d'économiser 15% d'essence émoticône souriant. Cliquez ici pour voir l'astuce 14. Enlevez la galerie du toit de ça fait un semaine que vous trimbalez une galerie vide sur le toit. Descendez de la voiture maintenant et enlevez-la tout de suite. Pourquoi Car la galerie diminue l'aérodynamisme de votre voiture. Conséquence, elle vous fait consommer 10% de plus sur autoroute. Cliquez ici pour voir l'astuce 15. Utilisez un GPS que ce soit pour un trajet long ou court. Pensez à utiliser un GPS. Un GPS calcule le chemin le plus court mais ce n'est pas tout. Il vous permet d'éviter les embouteillages et les travaux. Très pratique en ville. Et pas d'excuses. Aujourd'hui les GPS sont partout. Directement intégrés dans le tableau de bord de la voiture et même sur votre smartphone. Et si vous n'avez pas de GPS, les prix sont devenus abordables. Vous pouvez trouver un bon GPS sur Internet pour moins de 60 euros. Vous ne voulez pas acheter de GPS, pas de souci. Vous pouvez utiliser Mapi ou Google Maps pour imprimer le meilleur itinéraire. Cliquez ici pour voir l'astuce 16. Nettoyer le filtre à air. Un simple nettoyage du filtre à air peut vous faire économiser 10% d'essence. 60 euros tous les 10 000 km. Vous ne savez pas comment nettoyer le filtre à air Ce n'est pas bien compliqué. La preuve avec cette vidéo explicative. Cliquez ici pour voir l'astuce. 17. Trouvez la station la moins chère. Les différences de prix entre les stations d'essence peuvent être assez importantes. Pour faire le plein, ne choisissez pas une station au hasard. Trouvez la moins chère près de chez vous sans bouger de votre canapé. Comment Cliquez ici pour découvrir notre astuce. Vous aimez cette astuce? Partagez-la avec vos amis sur Facebook, à découvrir aussi, 20 astuces de génie pour votre voiture. Enfin, une astuce pour désodoriser à fond l'intérieur de votre voiture.